Et bonjour internotatrices et internotateurs. On reprend notre village sur Dotage. Je suis en live et c'est reparti à la suite de ce qu'on a fait hier. Hop. Alors, on était au tout début de l'été. On avait nos deux trucs de recherche. On a une population de 10. Deux trucs de recherche. J'en ai un, deux, trois qui font du bois. Un qui récolte des tomates. Un qui récolte des fraises. Où est-ce qu'ils sont les autres? J'en ai un qui fait du frais. Alors, je viens de voir sur un type qu'il faut avoir le triple de la menace. Donc là, ma menace actuellement, elle est de 1. Et donc, il faut avoir au moins 3 points d'avance pour être à 100% protégé. Donc du coup, bah, là, je suis juste à ce qu'il faut. Donc mon bonhomme là sur son ventilateur, il fait bien le taf. Alors, il faut qu'on recherche des trucs un peu nouveaux. Qu'est-ce qu'on va rechercher comme truc un peu nouveau? Alors, j'ai ça qui me permettra de générer de la flotte en dehors des zones de montagne. Ça utilise, c'est des pêcheurs pour faire bosser ces trucs-là. Bon, surprenant. X, 1 pour chaque fruit créateur dans un rayon de 1. Ok. Donc ça veut dire que tu le mets entre quatre arbres, quatre arbres, pour que ce soit le plus efficace possible. Avec ça qui donne plus 1 éventuellement. Ouais. Difficile de vraiment l'optimiser. C'est pas non plus indispensable, mais ok. Donc je disais, j'ai trois coupeurs de bois, j'ai deux chercheurs, un ventilateur, ça fait 6, 7, 8, et où est le 9e? C'est un vrai défaut, je trouve, de cette interface. Je sais que j'en ai un qui fout rien, mais je sais pas. Là, il m'en manque un. Ah, ici, bah ça c'est celui qui fout rien. Je sais pas. J'ai personne qui ramasse de la flotte. J'ai un champ de tomates, un buisson de fraises. Ah, j'en ai un qui construit. C'est plus ce que je construis, mais qu'est-ce que je construis? Support à dépeçage. Ah oui, c'était pour me faire du cuir, c'est vrai. Ok. Qu'est-ce que je fais avec le dernier? Bon, tu vas aller récolter les fraises aussi. Hop, je vais planter ça en graines, ça va. De toute façon, l'avantage des graines, j'en ai besoin de 3. Même pas, j'ai besoin de. Oui, c'est ça, j'ai besoin de 3 graines pour faire démarrer ma plantation. Et un coup de récolte me rapporte 3 directement. Donc, je suis large. Ok. Alors oui, donc recherche du coup. Ça sert à rien que je le débloque avant l'automne. Ça sert à rien que je le débloque avant l'hiver et ça avant l'automne. Enfin, il faut que je le débloque juste avant, quoi. Ici, donc là, je fais du dépeçage pour me faire des tentes. Allez, je vais aller chercher. Putain, c'est 50 de recherche. Oh. C'est pas la même tout de suite. Pas de chercheur, pas de. Je vais pas faire de.
Je vais pas faire de barbecue. Voilà, sinon je débloque le poulailler pour aller voir comment est-ce que je peux. Ouais, je vais faire ça. Je vais voir ce que j'ai derrière là. Je ne le sais point. On va aller faire ça. Ce sera débloqué en un tour. Hop. Bon, j'ai des trucs que je peux supprimer. Ces trois là, ces cinq là, je peux les supprimer. Alors, qu'est-ce que ça me débloque d'avoir trouvé le poulailler? Alors, production d'œufs. Eh oui, table de boucher, d'accord. Et tout ça, ça tue les animaux. Il faut pas tuer les petits animaux. Alors, du coup, je vais peut-être aller voir pour le ranch à vaches, qui a besoin d'être à côté de la pierre. Ok. Pour voir ce que je peux avoir ici. Et là, c'est pareil, je peux avoir du cuir ici. Ici, j'en ai pas besoin. Pour l'instant, ça, j'en ai pas besoin non plus. Là, je suis bon. Sinon, je vais aller chercher dans les options de construction. Je peux débloquer la clairière, hein, ce qui permet de. Ouais, je vais faire ça. Non, j'ai envie d'aller voir ce qu'il y a derrière là. Hop, on va aller voir les vaches. Tac. Et le poulailler. Je ne sais pas trop ce que je vais en faire. Pour le principe, je vais en faire un. Mais j'en ai sans doute pas vraiment besoin. Il a besoin d'être à côté d'une habitation. Eh bien, mettons-le, par exemple. Là, ça me semble pas mal. Hop. J'ai pas de poule sur le terrain. Peut-être que je peux. On va voir. On va voir. Si c'est pas intéressant, je le supprimerai. Attends, non, pas ici. Pas ici. Je vais le mettre. Tac. Histoire d'avoir de la place autour. J'avais pas beaucoup de place autour là. Ok. En bouffe, ça va. J'ai juste ce qu'il faut. Je vais pas avoir de pertes. Alors. J'ai terminé mon dépeceur. Mais il me faut un chasseur. Alors j'ai pas de pips de disponible. Je vais perdre des fraises. Ouais. Ouais, je vais faire un fraisier en moins. Ah là j'ai un. J'ai trop de bouffe. Quel drame. Ah, il me faut des outils de base. Aïe aïe aïe, d'accord. Bon. Alors les outils de base, ça se chope là. Et eh ben ok, et eh ben pas de chasseur, donc pas de cuir pour l'instant. C'est ballot. Ah, j'avais personne pour construire là. Un peu con. J'ai pas grand chose à faire, c'est triste. Alors, ce que je vais faire, je vais me faire encore un panneau pour m'agrandir. Par là, je vais aller choper. Hop. Et je vais m'agrandir aussi dans ce coin-là. Histoire d'aller choper. Si je peux rien faire de très intéressant, je vais faire en sorte d'aller choper les terrains là pour bâtir pour obtenir plus de recherches. Hop. Alors, je débloque les vaches. Ah, que se passe-t-il? Un mini-event. Ah, il y a des amoureux. Des amoureux de la nature.
Méditation. Bon, ok. Médite bien. Alors, j'ai le ranch à vache. Alors, qu'est-ce que ça me débloque, le ranch à vache? Une tannerie, ouais, d'accord, qui transforme, qui tue une vache. Ok. C'est défrichement, chemin vers habitation. Ok. Il y a certaines traductions qui sont pas encore tip-top. Allez, on va chercher l'établi pour pouvoir faire notre chasseur. Et puis, ben, on va aller construire un ranch à vache. Alors, j'ai de la caillasse par ici, par là. Ouais, je pourrais imaginer le placer par là. Alors, je vais encore mettre un petit panneau de signalisation là. On va faire ça. Alors, j'en ai deux qui ne font rien. Alors, je peux attirer un animal. Pas trop si ça m'est vraiment utile. Dans le doute. Toi, tu vas aller me chercher des graines. Et je pourrais avoir trop de tomates. Qu'est-ce qui vaut mieux? Il vaut mieux que je fasse ça, hein, ça en produit 6. Ouais, je vais jeter des tomates. Et là, ça me consomme. Ouais, autant faire ça. Tac. Donc, je vais installer un ranch. Un ranch à vache. Je vais le mettre là. Comme ça, là, si le moment où j'aurai une tannerie, je pourrais la mettre par ici. Ok. Ça coûte 12. Ah oui, ça. Je mets en pause un instant. Toute petite pause. Je suis de retour. Excusez-moi. Donc, où en étions-nous? Bien. Donc, je vais avoir ça. Je recherche les outils. Et on continue. Attends, j'en ai un qui fait rien. J'en ai un qui fait rien. Ah oui, c'est celui qui est allé chercher. Ah oui, d'accord, j'ai essayé d'attirer, mais ça n'a rien donné. Puisqu'il n'y a pas de poule dans le coin. Bah voilà, j'ai testé. C'est leurre. D'accord, c'est ce qu'ils appellent le leurre. Ok. Donc j'ai testé, c'est un échec. Par contre, j'avais dit que je voulais faire des trucs de recherche. Je pourrais peut-être en profiter pour le faire. Ce serait une merveilleuse idée, non? 22, ah ouais. Va me faire du bois, toi. Limite, je vais plutôt le faire par là. Hop. Plutôt par là. Pourquoi est-ce que ça me coûte une... Qu'est-ce qui me coûte une graine, là? Comme nourriture. Qu'est-ce qui me bouffe? J'ai pas de poule.
Bizarre ça. Est-ce un bug? Je ne sais pas. Bizarre. Ceci dit, ça veut dire si je peux pas tirer de poule, ça veut dire que je vais pas pouvoir non plus attirer de vache. Alors, bon, ceci dit, lors d'un futur event, ça peut apparaître ensuite. Voilà, un succès. Des points de nature. Deux champs de chambre apparaissent. Bon. Ok. Alors, j'ai terminé mon établi. Pour récolter le champ, il faut. Et voilà Halloween. Et pareil, il faut des outils de base. Bon, ben, ça tombe bien. Des outils de base, je peux en faire. Convertir du bois en outils. Eh bien, je vais te mettre ici, par exemple. Ça coûte 6 de bois. Hop. Tac, va me construire ça. Non, pas de là. Va me construire ça. Ouais, c'est gourmand en bois quand même. C'est gourmand en bois tout ça. Alors, qu'est-ce que je vais rechercher? Donc, j'ai débloqué l'atelier qui permet de produire plus d'outils ou d'utiliser de la pierre au lieu du bois. Le mine de cuivre pour avoir des barres de cuivre. Je pourrais améliorer ma récolte de bois éventuellement. Pour ça, il faut de toute façon que j'ai débloqué ça avant. Je peux récolter le cueilleur de pierre aussi. Le cueilleur de pierre, le concept est intéressant, je trouve. Là, je vais continuer de l'augmenter, hein. Je sais que ce sera l'événement du destin, donc que voilà, que c'est contre la chaleur que je vais devoir me battre au prochain événement, donc je vais prendre un peu d'avance. Hop. Là, j'ai terminé mon ranch. Ok. Alors, et il me faut. Ah ouais, il me faut du foin. Il me faut du foin pour les vaches. Vaches. Nourriture. Donc de toute façon, je ne peux pas encore accueillir des vaches. Ah bah si, j'ai un poussin. Au final, j'ai un poussin qui est apparu. Ok. Piu-piu le poussin. On continue de récolter du bois. Et maintenant que j'ai débloqué ça. Ouais, donc là, c'est les différents en gros niveaux de sol dont on a besoin. Le niveau de base, bah, c'est l'herbe. On peut dégager. Alors, c'est pareil, je trouve clairière, le nom n'est pas super bien traduit. Voilà, c'est plutôt défrichement. Hein. C'est vraiment ça. C'est on enlève l'herbe. Ensuite, on peut mettre du pavage en pierre. Et ensuite, c'est du pavage en briques. Par la suite. Donc, je pourrais améliorer ma récolte de bois. Et en fait, ce serait pas mal pour monopoliser moins de pips éventuellement sur la récolte de bois. Parce que je vais en avoir besoin pour d'autres choses. Non, je ne suis pas sûr. Ah, tac, tiens, on va me replanter ça. Merde, pourquoi est-ce que j'ai de la peur qui arrive là? Qu'est-ce qui se passe?
Attention, un événement maudit va bientôt se produire. Préparez-vous à l'affronter, car il peut sonner la fin du village. Alors là, je capte rien du tout. Comment ça se fait? Que j'ai généré de la peur. What the fuck? Alors là, bon. Ah oui, pardon. Par contre, merde, m'aider, m'aider, m'aider. Il faut impérativement que je fasse. Alors j'ai 8 tours en un peu plus longtemps. Il faut impérativement que j'améliore ça tout de suite. Il faut que je construise ça tout de suite. 12 de bois, c'est bon, je les ai. Je vais pas pouvoir faire d'outils tout de suite. Si, est-ce que je peux faire un outil tout de suite? Merdouille. Ah ben non, puisque j'ai pas d'outilleur. Donc je peux former un outilleur. Là, il me faudra 3 tours. Ouf, ça va être juste. Bon, et puis je sais pas pourquoi je perds. Je comprends pas. Est-ce que c'est mon poussin qui me génère de la peur? Ce serait absurde, je ne l'ai pas tué le poussin. Je suis pas comme ça, moi, je tue pas les poussins. Les poulets, je dis pas, mais pas les poussins. Bon, ok. Ouais, le problème, c'est qu'il me coûte de la bouffe, il me coûte des graines. Je sens que c'était pas un bon plan. Je sens que c'était pas vraiment un bon plan. Ouais, donc maintenant je peux défricher le terrain. Ce qui rajoute. Ça rajoute un point de vie au bâtiment. Hey, coucou mes amarins! Un petit saut pour dire bonjour. C'est sympa de passer. Merci à toi. Bah tu vois, c'est calme aujourd'hui. C'est calme, mais putain, il va falloir que je génère de l'espoir du coup. Il faut que je compense, il faut que je génère de l'espoir. Bon, je vais arrêter de te faire bosser là, toi. De la bouffe, j'ai du stock, je vais aller consommer ma bouffe. Hop. Je vais continuer à générer de la science parce que ça c'est nécessaire. Je vais voir. Est-ce que les points de peur viennent du poussin? Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas du tout d'où j'ai chopé ces points-là. C'est un peu bon. Des fois, le jeu ne dit pas tout. Donc, je peux aller chercher donc le fabricant de bois. Du bois de chanvre qui transforme 2 de chanvre en 7 de bois. Waouh! Mais c'est balèze. Les mecs, c'est des magiciens, quoi. Ok, bon. Donc lui, il va me créer un outil dans 3 tours, 2 tours. Il faut 3 tours. 3 tours pour créer un outil. Ça me coûte 3 de bois, donc je vais être bon.
On continue là-dessus. Est-ce que j'ai besoin? Hop, je vais quand même aller me rechercher quelques tomates. Faire un peu moins de bois. Bon, plus de tomates. L'outillage, j'en ai besoin. L'espoir, j'en ai besoin. Et il faut que je recherche. Bon, je vais aller chercher le banc de relaxation. Histoire de pouvoir générer un peu plus de d'espoir. Que se passe-t-il? Voilà, des points, des points. Ça, c'est très très bien. Excellente nouvelle. Cordiale, discussion cordiale. Très bonne chose. Bon, ok, je repasse dans le rouge. Enfin, dans le vert ici. Par contre, là. Putain, ça va être chaud, 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 chaud. Et j'ai besoin de chambre aussi, merde. De graines. De graines, parce que sinon mes poules, je vais pas pouvoir. J'aurais jamais dû les appeler les poules. C'était une connerie. Une connerie, une connerie. Alors, qu'est-ce que ça me débloque? Les fumeurs de weed, la tente de la paix, les tombes et stand de relaxation. Ok, stand de relaxation qui permet de soigner angoissé. Bien. Pour l'instant, ici, tout va bien. La tannerie, ça ne sert pas à grand-chose. Je vais bientôt pouvoir me faire un chasseur. Les champs de chanvre, des fleurs. Ou des champs d'orge pour faire du bois ou de la pierre. Il va falloir que je commence à récolter un peu de pierre. Qu'est-ce qu'il me faudra ici? Ah putain, il me faut un observateur. Un tour de plus avant de générer des points. Ça va être. Ça génère combien ça? Ça génère 4 d'un coup. Ah, le problème c'est que 4, ça va juste me permettre de compenser les pertes. Putain, il m'en faut un autre. Je suis dans le mal là. Je suis dans le mal. Ça va être beaucoup trop tard. J'aurais dû en faire deux d'un coup. J'ai pas calculé. Et là, c'est quoi? C'est encore. Il va me falloir 4 tours encore. Ou alors, si je le fais là, ça ne me demande que 2 tours. Enfin, 3 tours, parce qu'il faudra que je forme un observateur. J'ai pas un autre endroit où je peux anticiper la formation d'observateur. Et 4 tours. Ça va être méga chaud, hein. Ça va être méga, méga chaud. Toute façon, j'ai pas assez de bois. Alors, si je pourrais avoir assez de bois. Sauf qu'il me faut un de plus. Bon, on va continuer d'aller puiser sur les réserves. Hein. Attendons, en espoir, c'est bon. Là, maintenant, je suis large. J'ai tout ce qu'il me faut en chambre. Pardon.
trois tours. Oh. C'est combien pour faire un autre niveau? Il me faut 6. Ah, j'en ferai au prochain tour. Au prochain tour, je me ferai un autre petit. Et puis ensuite, je vais prier très fort. Je crains qu'il n'y ait que la prière qui puisse faire quoi que ce soit. Même si je commence à être un peu inquiet, je vais aller chercher la tente niveau supérieur. Quand j'arriverai à avoir du cuir, mais c'est pas pour tout de suite. Avec mes 10 péons, c'est vrai que c'est vite limité quand même. Hein. Alors, toi, tu fais rien. On va te former pour devenir chasseur, et puis comme ça, j'aurai peut-être plus de monde. Non. Non, non, non. Tu vas aller me récolter du chanvre. Parce que je vais en avoir besoin pour si je veux faire un autre ventilo. Est-ce que c'est la bonne position pour le ventilo? Est-ce que je vais le mettre ailleurs? Là, c'est un peu resserré. Là, ceci dit, c'est pas un plus mauvais endroit que là. Ok. Ah, il a une bonne tête, l'observateur. Il a un chapeau sympa. Pas du tout freaky. Bon, donc là je fais plus 6 plus 6. On a dit qu'on faisait un autre petit ventilo avec mon producteur de chanvre ici. Toi tu arrêtes de me faire ton outil. J'ai plus besoin de bois que d'outils dans l'immédiat. Bon, je vais récolter des plantes. Hein. Ça va se jouer à la chance. Hein. Je vais être légèrement positif, mais vraiment très légèrement. À moins d'un event un peu chanceux. Je suis pas super confiant. Je suis pas du tout super confiant. Bon, je suis à sec en bois. Et tout le monde est occupé en graines, ça va. Ah ouais, parce que là maintenant je vais en avoir trois bientôt des poules. J'aurais dû le détruire ce bâtiment. Elles m'apportent rien, les poules. Libérons les poules. J'avais dit que je voulais plus de poules laillées. Ah, il fallait d'abord faire disparaître les poules. Okay. Hop, on se remet à produire des outils. J'en ai besoin d'un ici. Ah non, c'est pour ça que. Pardon. J'ai besoin. Ah, j'ai pas assez de graines. Pourquoi est-ce que ça me consomme? Pourquoi est-ce qu'il me dit que si je consomme. J'ai plus de poules. Pourquoi est-ce qu'alors que j'ai plus de poules, il me dit que je consomme des graines?
Ça va être chaud, chaud, chaud. Et d'accord, et ça me tue mes trois poules. Et donc j'ai généré plein de peur et tout va mal. C'est la merde finale. Bon, bon, bon. Eh ben, on apprend de ses erreurs. C'est important d'apprendre de ses erreurs, mais je crains que ce soit le dernier apprentissage. Je vais être à combien? Je vais être à 39% de chance. Et là, j'ai repris un maximum très cher. Non, c'est pas ça que je veux, c'est ça. Les bassins de relaxation, là, ça me... Les bandes de relaxation, ça génère que 1. Et de toute façon, je peux pas en placer. Ça résout un peu le problème. Bon, bon, bon. Donc j'en ai 4 ici. 5, 6, 7, 8, 9. Et où est mon dixième? Qu'est-ce qu'il fait là? Ah mais mon dixième, il fait rien, d'accord. Pour le principe, hein, on va dire qu'on reprend la recherche. En bois, du coup, je suis revenu dans l'angle positif. Allez, on va dire qu'on reprend la recherche. La recherche, et puis même toi, allez, tu vas te former pour être chasseur. Allez, on va dire qu'on va passer le tour. On croisait le doigt très très fort. Et allez à Yacta Est. Donc, quand on n'est pas à 100%, on teste le destin. Et exactement ça, c'est vraiment allez à Yacta Est, les dés en sont jetés. Et j'ai pile poil de quoi débloquer le suivant. Il va faire trop 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 chaud. Ah non, c'est juste en feu. Oh, mais presque tout va bien. Presque. Un tout petit peu. Ouh, fait chaud. Fait très très chaud. Ah, fait très 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 chaud. Putain, 10 bâtiments sont en feu. Ok. Eh ben, combien est-ce que j'ai de stock en flotte? Que me dit la chamane? Nous avons échoué et rencontré le destin. Si nous continuons ainsi, il ne restera plus rien. Je sens que ce n'est pas encore la fin. Ouf. Je le vois maintenant. De nouveaux défis, plus forts, nous attendent. Et voilà, nous passons au livre 2. La prophétie est plus claire dans mon esprit. Laissez-moi vous dire ce que le destin nous a réservé. C'est terminé. Nous devons nous efforcer d'atteindre le prochain événement maudit. N'oubliez pas, ce ne sera pas le dernier. Ouais. Je vois que nous avons été maudits. Un présage nous guette. Quelque chose de terrible va arriver. Ouais, bah déjà, il y a des trucs pas très sympas qui sont arrivés. Oh, je viens d'avoir un succès parce que j'ai 10 bâtiments qui brûlent en même temps. Alors, combien me faut-il? Deux de flotte pour éteindre un bâtiment. Pourquoi est-ce que je génère... Ah, parce que j'ai des sans-abri, du coup. Alors, qu'est-ce que ça fait, le feu? Le feu, 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 feu. Le follet, non, c'est pas là.
C'est pas ça. Événement. Bleu 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 étiquette ressources, étiquette événement. Feu. Feu, étincelle brûlant. En feu. Et qu'est-ce que ça fait en feu? Quelques bâtiments en aléatoire. Terrain, doyen, VIP, classe, métier, créateur, ressources. Je sais pas. C'est pas là, feu? Non. Ah, en feu. Alors, dure pour toujours. C'est ton voisin, endommagé à chaque tour, subit un point de dégâts. D'accord. Ne peut pas trop bien. Ne peut. Ok. Donc, qu'est-ce que je veux sauver? Alors, combien est-ce que j'ai de points de vie? Là, il n'y en a que deux. Là, il n'y en a que deux, mais c'est des trucs. Ça, c'est pas très très grave. Le chanvre, je m'en fous. La tente, je m'en fous pas du tout. Le champ de fraises, ce serait un peu con, mais tant pis. Ça, je m'en fous pas non plus. Ça, je peux le reconstruire facilement. Alors, de toute façon, je ne peux éteindre que deux bâtiments dans l'immédiat. Par contre, il me faut générer plus, beaucoup plus de flotte. Ça, je voudrais arriver à le sauver. Ma deuxième tente également. Est-ce que je peux sauver un troisième bâtiment? Alors, c'est juste. Ils vont subir des dégâts. Normalement, je devrais arriver à m'en sortir à peu près. Il me reste un pecno. Galère. Quelle galère, ton champ de tomates, tu vas le laisser. Est-ce que tu peux me faire. Oui, je peux éteindre un bâtiment de plus. Ça, on va éviter de le perdre. Les autres, on les éteindra au prochain tour. Hop, au passage, qu'est-ce que je vais débloquer? Je vais débloquer. Alors, soit connaissance supérieure, soit empoisonnement. Ça donne envie. Débloquer connaissance supérieure, la bibliothèque. Donc c'est un bâtiment avancé, ça. Ça doit générer plus 8 pour chaque beauté dans un. Ouais, c'est un gros bâtiment. Pas pour tout de suite. Donc, alors, qui est-ce qui génère quoi? J'ai trois pips qui font de la flotte. Un, deux, trois, quatre, cinq pips qui font de l'éteignage et de la science qui se poursuit. Alors, c'est peut-être pas la science le plus urgent dans l'immédiat. On va générer du froid. On va générer du froid. Oh putain. Et on repart sur de la peur. J'aurais bien voulu que ce soit un truc genre maladie là. Ça aurait été bien parce que de maladie j'ai un peu de réserve. Alors heureusement j'ai pu annuler les sans-abri. Ah putain, ah putain! Mais non! Donc les fraises ont cramé, le chanvre a cramé.
1, 2, 3. De toute façon, je ne peux pas en faire plus. Je peux en éteindre 3 par tour, là. C'est la merde. C'est juste la merde. Je vais arriver à sauver ces trois mes bâtiments. Par contre, pour la forêt, je sais pas bien. On verra. On verra. On va continuer à générer du froid, hein, tant qu'à faire. On va essayer de ne pas tomber trop dans le rouge. Même si je suis déjà bien dans le rouge. On va recommencer à bouffer des pommes. Hein. Ouais. C'était bien d'avoir un peu de stock. Donc là. J'ai trois qui font de la flotte, trois qui étiennent et quatre qui font du froid. Ouais, je vais quand même aller me récupérer un peu de bouffe. Un minimum. Putain que c'est chaud. Est-ce que le feu va se propager immédiatement ou pas? De toute façon, c'est simple. Hein. S'il se propage, je suis mort. Parce que je peux. Hop, ça veut dire que je peux rien y faire. Ah non, c'est bon. Oui, ben je sais. Et... Nouveau terrain découvert, cendre. Formidable. Ah putain, en plus, du coup, ça fait que ces deux-là, ils servent plus à rien. Super. Bon, c'est bon, je vais pouvoir éteindre tout le feu. Putain. Alors, ça fait quoi la cendre? Terrain, là. Terrain, cendre. Malus ressources, mais ça génère rien de négatif. Ouh. Bon, je vais générer plus 8. Normalement, ça devrait me permettre de remonter. Techniquement, il faudrait que j'arrive à 36. Ouais, ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Bien, essayons de sauver. Il faut que je me sauve en espoir. Oui, ici. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il faut que je génère de l'espoir tout de suite. Parce que ça va augmenter ensuite. Ça me fait juste consommer plus de bouffe, ce qui n'est pas vraiment une bonne chose, mais. Bien. C'était chaud. C'était chaud. Au sens propre du terme. Ouais, ça devrait le faire avec le plus 2, ouais, c'est lié à la menace, c'est parce que la chaleur est réveillée. Alors, je vais me refaire un peu de stock d'eau. Par contre, je vais pouvoir me refaire d'un stock de bouffe. Du bois, bah, eux, ça sert à rien que je les répare, je vais pouvoir juste les détruire. Si je pouvais me refaire du cuir, j'ai besoin de plus de population en fait. Je suis vraiment en galère de population, quoi. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça, on avait dit que je pouvais pas en placer. Ah, c'est il faut être à côté de l'eau, d'accord. Donc là, je peux éventuellement mettre ici aussi.
Ça me permettrait de booster, mais c'est vraiment ridicule. Un point d'espoir. Tu fais vraiment pas grand-chose avec ça. Et de toute façon, alors dans l'immédiat, je vais en mettre que deux sur de l'eau. Je vais construire ça tout de suite. Enfin, qu'un seul sur l'eau. J'adore les petits bruitages. Ouf, bon, ça va être bon. Je vais repasser dans à 100%. Pff, heureusement. Je vais continuer de générer davantage d'espoir parce que comme ça va réaugmenter d'ici peu. Mais ça coûte cher, putain la vache. Il faut que j'en génère davantage. C'est quoi? C'est. Tic-tac-tac. Il faut que j'aille fumer du chanvre. Vraiment. Donc il faut que je recherche. 0 sur 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la bouffe, je peux pas vivre sur mes réserves parce qu'elles sont quand même pas énormes. Donc. Et là, il faut que je refasse de la tomate. C'est chaud! C'est tellement chaud! Bon, je vais pouvoir récupérer mes deux observateurs. Qu'est-ce qui se passe? Un event. Faites générer de l'espoir là. J'ai besoin d'espoir là. Ça n'a pas l'air. Si. Wouhou! Wonderful. Merci Dio d'être drôle. Hop. Ah non, merde, il faut que j'en laisse ça. Oh, hop. Ok. Alors il m'en reste un. Il m'en reste un, je vais retourner faire chasser. Histoire de choper mes deux cuirs, sauf que. Ah, sauf que ça me génère de la peur ça aussi, non? Ah bah oui, ça m'a généré de la peur. Ça y est, je vais repasser peu à peu dans le rouge, dans le vert. Mais... Oui, allez, encore de l'espoir. Ah non! Ah si. Hein? Si? Ah bah si, une bonne blague. Non. Non! Ah bah si, oui, d'accord. C'est normal. C'est le présage. J'y peux rien à ça. Lupa est angoissé. Loma a insulté. Alors ça, angoissé, ça s'enlève, mais j'ai pas de quoi l'enlever. Le problème, c'est que l'angoissé, ça va générer encore plus de points de peur. Eh oui. Tant que je l'ai, donc il faut que j'aille tout de suite, c'est ça. Cette course contre la montre, quoi. Oh putain, il faut du cuir.
Bien. Je suis Christ. Jésus-Christ. Il me faut des fraises. Il me faudrait des fraises en plus. Là, je génère un peu d'eau. Et oui, je me suis généré 5 de peur avec le avec mon tanneur. Bon. Je suis con. J'ai n'importe quoi. Oh non. Qu'est-ce que tu me fais, toi? Génère. Qu'est-ce que t'as trouvé? Ah, t'as trouvé du lait. Ok. Ou plein de lait. Ok. Je sais pas trop à quoi ça va me servir. Est-ce que ça sert comme de la bouffe? Les vaches, ça doit donner du lait. Non, les vaches ne donnent pas de lait. Logique. Être la laiterie qui donne du lait. Requiert lait. Lait, c'est un liquide. Ok. Bon, ça peut être consommé. D'accord, donc ça peut être transformé. Ça peut pas être consommé tel quel. Donc ça, c'est un événement qui a été joyeux parce que j'ai réussi à vaincre l'événement inattendu. Le stand de relaxation. C'est la mort, quoi. J'ai 4 bonshommes pour générer 1, pour générer 4 points, quoi. On va se mettre dans le vert tout de suite. On va faire ça un tour. Cinquante points. Hop. Alors, stand requiert espoir. Un fabricant d'espoir à une case. Je peux te mettre par là, par exemple. Me permettra déjà d'essayer de virer l'angoissé. Ça coûte quoi? 4 de bois, je les ai, mais j'ai personne pour construire dans l'immédiat. Qui est-ce que je peux libérer, délivrer? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Putain. Allez, c'est pour la bonne cause, ça met un tour à être construit, il me faudra une formation ensuite, un tour de formation. Ça me consomme moins de bouffe, comme ça j'économise un tout petit peu. Ah non, c'est un observateur, très bien. Du coup, je pourrais le mettre directement à fabriquer une infusion et à l'administrer. Je vois que nous avons été maudits.
Un présage nous guette, quelque chose de terrible va arriver. Ouais, un autre présage, mais c'est en maladie. Donc là, l'avantage, c'est que j'ai un peu d'avance. Alors, tu vas me mettre toi là, c'est bon, j'ai de l'avance. Là, tu me génères. Gna, Alors, je peux aussi me faire ma tente de fumette. Plus 2 si fabricant d'espoir dans à une case. Eh ben, je valide cette idée totalement. Ces petits lapins-là. Sauf que ça va les tuer, ça. Allez, je vais me mettre ici. Je vais me mettre ici. Je crains que le fait de dégager le repère, ça me génère 15 points de 15 points de peur. Ok, donc là, toi, tu me génères. Alors, une pomme, un eau. Une tomate. Je ne sais pas si c'est une pomme ou une tomate. Donc ça va me générer un truc de lait, une infusion. Et ensuite je pourrais enlever la source d'angoisse. Bien. Oh là là, plus 8! Hop. Comment ça se fait que je génère plus 8 d'un coup? Ah bah oui, bah c'est la fumette. C'est Joe la fumette. Allez. Va enlever ton angoisse. L'avantage, c'est que du coup, je vais pouvoir libérer cela. Je vais pouvoir aller chercher d'autres fraises. J'ai besoin de bouffe, désespérément. Il faut que je récolte là et que je plante ici. Ah, j'ai plus de graines. Ah oui, il va me falloir aussi du chanvre. Hop, on va récolter du chanvre. Parce que je vais en consommer 3 par tour. Donc il me faut des graines, il me faut de l'eau. Ça va, j'en ai. Va me planter ça. C'est le flux tendu. Hop, Lupin n'est plus angoissé. Allez, je vais repasser dans le verre ici aussi. Et je vais pouvoir commencer à faire autre chose. Là, j'étais toujours en train finalement j'ai passé plein de tours à me sauver d'une situation de merde dans laquelle j'avais juste pas anticipé. Donc on voit que si on n'a pas. Je sais que là, par exemple, ça va être le domaine de la peur qui va me faire chier tôt ou tard. Et je vais avoir un joli niveau de. Parce que je vais déjà avoir. Je vais générer 3 de menaces ici. Plus 1. Donc je serai à plus. Non, plus 3. Attends, je me souviens plus. Non, plus 1. Plus à cause du niveau de difficulté. Donc, ouais. Mais là, je commence à me rétablir doucement, mais sûrement. J'ai besoin d'un tout petit peu de réserve d'eau, même si j'ai le lait qui peut peut-être servir.
J'ai mon chasseur qui taffe. Un chasseur qui sait chasser. Je récolte des fraises, sauf que ça va bientôt être terminé, je pense. Et je fais plus de. Je génère plus de science là. Si je peux en générer sur un. En chanvre, je suis en flux tendu, je me fais un peu de graines en stock. Ah, encore un event. Ouais, love it in the air. Ils sont épris. Lola et Lupa. C'est pas les deux qui s'étaient tapés dessus la dernière fois là? Romantique pour 5 jours. Bah écoute, je vais pas cracher dessus, hein. Franchement. Je vois un événement inconnu qui s'abat sur nous. La vision est confuse. Mais il y a de l'espoir, nous pouvons le combattre. Non! Alors heureusement, j'ai les deux de romantiques qui viennent compenser un peu. Et ben, on va remettre du monde dessus. Chier. Bon, ceci dit, je vais arrêter cette diffusion maintenant. De même que la VOD qui va avec. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez compris comment est-ce qu'on peut essayer de sauver les miches d'un village, mais je suis pas sûr que sur le long terme ça va tenir. Parce que quand même j'ai un vrai souci de population. On verra ça. La suite peut-être bien demain. Je vous tiendrai au courant sur Discord. Et puis des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao à tous. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur YouTube et à venir faire un petit coucou sur Discord. Ciao, ciao!